Au cours de son voyage d'exploration dans l'hémisphère austral, le navigateur français Dumont d'Urville apercevait le 21 juin 1840 un continent encore inconnu, l'Antarctique. En hissant le pavillon national en un point de cette étendue glacée, grande comme les États-Unis et l'Europe, il donne à la France une terre nouvelle qu'il appela Adélie, du nom de sa femme. En 1948, le gouvernement français confiait à Paul-Émile Victor la mission d'organiser une expédition polaire dans le but d'occuper et d'explorer la terre Adélie. Le 21 janvier 1950, le navire polaire commandant Charcot, armé par la marine nationale, déposait une équipe de 11 chercheurs et techniciens sur un promontoire rocheux qui fut appelé Port Martin, en souvenir d'un des membres de l'expédition décédé à bord du bateau au large des côtes d'Afrique. Si nous aimions notre maison de Port Martin, c'est surtout pour des raisons sentimentales, et tout d'abord parce que nous l'avions construite de nos mains. En ces endroits perdus de la terre, la nature ne montre que son côté brutal, sans pitié. Et pour subsister, nous avons dû user d'obstination, de ruse et surtout de patience. Longue patience de l'hivernage, heure après heure, jour après jour. Le temps se mesurait pour nous à la croissance d'un petit chien élevé au biberon qui devint notre mascotte après la mort de sa mère dans une tempête. Il se mesurait aussi au rythme des corvées. Il fallait faire la vaisselle pour 11, aller piocher la glace, en remplir des lessiveuses et mille autres servitudes nécessaires aux hommes abandonnés que nous étions. La glace était partout, recouvrant la terre et la mer. La lessiveuse remplie, les deux hommes de corvée regagnaient la maison en titubant sous les rafales de vent. La glace était la seule chose dont nous étions sûrs de ne pas manquer. Et sans cesse, il en fondait sur la cuisinière. L'ouvre-boîte était le principal outil de Schwartz, notre intendant, qui a réussi l'exploit de nous servir exactement le même menu durant 365 jours de l'année. Côtelettes de porc, lentilles, confiture. Côtelettes de porc, nouilles, confiture. Côtelettes de porc, purée, confiture. Côtelettes de porc, riz, confiture. Un paquet par homme et par jour. Bougeon préférait la pipe. 11 hommes à l'intérieur de la maison, 11 paires de chaussures au-dessus du fourneau. Puis c'était la nuit. François, 6 heures, au travail. Heures du matin. Et c'est ainsi que Tabuteau, première victime de la journée, croyait chaque fois être l'objet d'une mauvaise plaisanterie. 10 minutes plus tard, il luttait contre le vent, marchant vers ses appareils scientifiques situés en bordure d'une grande baie à l'est de la base. Il pensait au sac de couchage bien chaud qu'il venait de quitter. Je pensais que la terre Adélie est un sale pays. Puis il pensait à son travail et ne pensait plus qu'à lui. La seule chose qui comptait était le bon fonctionnement des appareils dont il avait la responsabilité, le sismographe et le marégraphe. Nos détritus étaient éparpillés par les vents du sud. Et les boîtes de conserve se répandaient alentour. Certaines furent retrouvées à 30 km du camp sur la mer gelée. Le petit déjeuner nous réunissait ensuite tous les 11. Café au lait et biscuits. Nous restions silencieux et chacun mangeait avec application. Seul, Tufio, le chien mascotte, se montrait turbulent, abusant quelquefois de notre faiblesse à son égard. À 11h, pour la seconde fois de la journée, Bougeon montait vers son abri météorologique, dressé en plein vent sur un piton rocheux. Quatre fois par jour, durant un an, il fit ce trajet.
25,7, hygro 98, vent 170. Thermo, moins 25,7, hygro 98, vent 170. Allô, à nous la base. Thermo, moins 25,7, hygro 98, vent 170. Ayant repris son souffle, il replongeait dans le blizzard. Autour de la maison, les corvées se poursuivaient. Un sac de 25 kilos de charbon était déneigé chaque jour. Le cuisinier réclamait souvent un supplément de glace ayant épuisé le contenu de sa lessiveuse. Un camarade s'offrait alors et affrontait le vent, armé d'un piolet et d'un bidon à lait. Moins nombreux étaient les volontaires pour vider les eaux grasses, que le vent ramenait dans la figure et répandait sur les vêtements. La matinée s'avançait et Gros était déjà en liaison radio avec l'Australie, prêt à transmettre la météo à Sydney. Débarrassé de ses vêtements remplis de neige, Boujon complétait son observation en relevant ses enregistreurs. Son message rédigé, il le portait aux radios qui aussitôt transmettaient. Ces quelques chiffres, réunis avec tant de peine et transmis à travers les continents et les mers, rendaient service aux hommes. Les vents de Terre Adélie sont les plus violents du monde et ce diagramme montre des rafales de 0 à 110 km à l'heure. En échange, nous recevions les observations météorologiques de l'Australie, des îles de l'océan Indien et des missions françaises au Kerguelen et Amsterdam. Ces messages permettaient de tracer des cartes d'analyse, de suivre la marche des perturbations et de prévoir le temps. Au début, il nous fut difficile de travailler par moins 30 degrés de froid dans un vent de plus de 100 km à l'heure. Chacun était responsable de ses appareils, de leur fonctionnement. Et ne réclamait l'aide d'un camarade qu'en cas de besoin. Pour les sondages aérologiques, par exemple, il fallait être deux. La cartographie, elle aussi, était un travail d'équipe. Le vent arrachait le ballon avec une telle rapidité qu'il fallait toute l'expérience de Boujon pour parvenir à suivre son ascension dans le théodolite. Toutes les 30 secondes, sa position était notée, et par la suite, le dépouillement de l'observation indiquait la direction et la vitesse du vent en altitude. Immobiles durant des heures, les cartographes effectuaient des visées sur les îles et les caps de la côte pour dresser la carte de Terre Adélie. Valette et Tabuteau, les larmes aux yeux, les pieds et les mains engourdis de froid, n'avaient qu'une idée en tête. Terminé. Terminé avant la prochaine tempête. S'il est parfois pénible à supporter, l'hivernage ne semble pas trop long. À Port-Martin, il y avait sans cesse du travail et nous n'avons jamais connu l'ennui. Pommier, dans le laboratoire de photos, révisait un spectrographe pendant que Sapin-Jaloustre triait soigneusement de curieuses plantes et animaux marins produits de ses pêches sous la glace. Nous avions amené de France quelques livres de lecture dont les pages ne furent jamais coupées. Et nos soirées se passaient à réparer les appareils ou à préparer les observations pour le lendemain pendant que la tempête soufflait autour de notre maison. Le travail apportait l'évasion et parfois même l'image d'un monde étrange, peuplé de mystères. Grande solitude de la nuit polaire. L'Australie, première terre habitée, était à 3000 km. Seule, la radio nous rappelait qu'ailleurs, il existait d'autres hommes. Ces hommes nous envoyaient des messages d'amitié et nous leur répondions. Valette et Tabuteau étaient les heureux propriétaires d'une hutte située à quelques mètres de la maison principale. C'est là que se trouvaient les instruments de géodésie avec lesquels fut déterminée à quelques mètres près la position géographique de Port-Martin. Il importait avant tout d'avoir l'heure exacte, au centième de seconde près, la valeur des observations dépendant de la précision des chronomètres. Tabuteau, par téléphone, demandait au poste radio la retransmission des signaux horaires de Washington.
Lorsque les nuits étaient claires, le passage des étoiles était repéré sur la carte du ciel et annoncé à Valette, qui tenait l'œil fixé sur son astrolabe. Mais dans l'Antarctique, les étoiles sont éphémères. Le soleil de minuit les effaça du ciel. Et ce fut le printemps. L'hiver, qui avait duré de mars à novembre, prit fin, et les premiers manchots venant du large regagnèrent la côte pour y établir leur nid. Ce furent d'abord quelques éclaireurs, puis des colonies entières venant du nord. Les manchots à Delhi, qui pêchent pour se nourrir, émigrent ainsi tous les hivers à la limite des glaces, ne passant que quelques mois d'été dans leur rouquerie. Ainsi sont appelées les colonies de manchots. Celle de Port-Martin comptait plusieurs milliers de bêtes. Les couples se reforment après le long voyage, chacun retrouvant sa compagne à l'emplacement du nid de l'année précédente. Pauvre nid fait d'ossements et de pierres. Les manchots à Delhi, petits de taille, 0,50 m environ, sont courageux et quelque peu querelleurs. Cependant, ils savent s'organiser et lutter contre les rigueurs du climat. Il ne s'agit pas là de la distribution des dossards aux concurrents d'une course de manchots, mais du marquage des couples dont notre médecin a étudié le comportement. Et voici Monsieur A cherchant Madame A. Sapin jaloustre, aidé de gros, passait ainsi de longues heures dans la rouquerie. Mascotte Tufio était l'ami des manchots. Il aimait jouer avec eux et les taquinait sans méchanceté. Le retour du printemps annonçait aussi les raids en traîneau et en tracteur, car il nous restait à explorer cette partie de l'Antarctique encore inconnue. Lyotard, le chef de notre expédition, accumulait de la documentation, pendant que d'autres terminaient le dressage des chiens et formaient les attelages. Paget, notre doyen, réparait les traîneaux. Et Schwartz, spécialiste de la boîte de conserve, séparait les pains de pémican de leurs emballages trop lourds. Le pémican, viande concentrée et séchée, est la nourriture de base des chiens et des hommes pendant les raids. Ces minutieux préparatifs annonçaient les longues et périlleuses randonnées de printemps et d'été sur la glace de mer ou sur le grand plateau glacé de l'Antarctique. Le maximum de nourriture, le minimum de poids. Pour 3 hommes et 2 jours, en plus du pémican, flocons d'avoine, sucre, malt, lait condensé, beurre, café et vitamines. Légers et résistants devaient être les traîneaux. Légers et concentrés devaient être les vivres. Ceux d'entre nous qui n'étaient pas accaparés par les préparatifs des raids aidaient le biologiste à poursuivre ses études sur les manchots, maintenant de plus en plus nombreux autour de notre base. Ces deux manchots empereurs, peu farouches, mais prudents, ne risquent pas grand-chose. Il s'agit simplement de passer à la patte de l'un d'eux une bague métallique portant date et numéro de référence. Il est maîtrisé. La bague est mise. Il sera possible maintenant de contrôler l'âge et les migrations de cet animal muni d'une carte d'identité. Celui-ci rentre sagement en laisse à la maison.
pas très bien compris. On le rentre dans le local où il sera mis en observation. Quelques peaux d'animaux morts furent conservées comme documents et nos enfants iront peut-être voir celles-ci dans la vitrine d'un musée. Et ce furent les derniers travaux à l'intérieur de la maison. Chacun de nous dut subir un examen médical. Le médecin fit des mesures systématiques d'avitaminose et ne trouva pas trace de scorbut malgré les conserves. Tabuto, couturière bénévole, confectionnait les fanions destinés à être fichés dans la glace durant les raids. Et seul, Arvers, se résignait à faire enfin une lessive. La glace de mer ne fera aucune fissure. Cette année-là fut une année de misère au pays des manchots. Ils ne pouvaient pêcher aux alentours de la base et commencèrent une migration inhabituelle vers le nord, à la recherche de la mer libre. À cette époque eut lieu le premier grand départ en traîneau. Les caisses, minutieusement préparées, contenant vivres, vêtements et instruments, furent sorties et chargées sous l'œil attentif des chiens. Les appareils fragiles étaient placés en dernier, au-dessus des autres caisses. La disposition de la charge sur le traîneau était très importante et chacun devait connaître par cœur le contenu des caisses et leur répartition. Enfin, à la dernière minute, on apportait le chronomètre. Nos chiens possédaient des harnais faits à leur taille que nous avions cousus nous-mêmes pendant les soirées d'hiver. Moitié chien, moitié loup, ils furent plus que nos compagnons, car notre sécurité dépendait de leur force et de leur ténacité. Pommier, qui les avait dressés, savait qu'il pouvait compter sur eux. Ils étaient attelés par famille, chaque attelage avait sa personnalité. Attention! Allez, boss! Allez! Allez, boss! Tu vois, à ta place! Allez, boss! Allez! Allez! Allez, les chiens! Allez! C'est au soir d'une longue journée de marche qu'il fallait lutter contre la fatigue. Car après avoir trouvé un emplacement abrité, il restait mille choses à faire. D'abord, décharger les traîneaux et disposer le matériel, puis dételer les chiens. Enfin, les tentes étaient déployées. Mal montées, elles auraient pu être déchirées ou emportées par le vent. Et sans abri, il n'aurait plus été possible de survivre. Légères, à double paroi, elles avaient été construites en France d'après les enseignements des précédentes expéditions. La radio avait deux buts, recevoir la météo et demander du secours en cas d'accident. L'électricité était fournie par une génératrice à main et chaque soir, Arders, le radio de l'équipe de raid, bavardait avec la base jusqu'au moment où, saisi par l'engourdissement, il disait « J'ai trop froid, j'arrête ». Une autre équipe s'était rendue à la base de l'explorateur Mawson, abandonnée depuis 40 ans. Là, nos camarades ont réparé la croix élevée à la mémoire de deux Australiens disparus au cours d'un raid. Le lieutenant Ninnis, tombé dans une crevasse, et le docteur Mertz, mort de privation. Sur la glace de mer, les raids étaient facilités par la présence de nombreux phoques, qui assuraient une nourriture abondante pour les chiens et les hommes, économisant le pemmican et augmentant le rayon d'action des équipes. Les phoques vivent en groupe à proximité des fissures de la glace de mer et pratiquent souvent des trous circulaires par lesquels ils peuvent se hisser à la surface en s'aidant de leurs nageoires. Lorsque le temps est beau, ils dorment au soleil et leur pelage sombre les rend facilement repérables de loin. Cette chasse, peu sportive, nous était imposée par la nécessité de procurer de la viande fraîche à nos chiens. Les phoques devaient être dépecés aussitôt abattus avant que la viande ne soit gelée. Nous nous réservions le foie que nous rapportions à la base à notre retour, ce qui donnait l'occasion d'organiser un festin et constituait un changement particulièrement apprécié. Malheureusement, il ne nous restait plus de vin. Et nous devions nous résigner à accompagner ces repas de lait condensé. De décembre à janvier, peu avant le retour du navire qui devait nous délivrer, Valette, Pommier et Schwartz entreprirent un long raid de 600 km sur le plateau polaire. Là, à 1000 mètres d'altitude, sur un territoire dénudé et balayé par le blizzard, ils ne pouvaient plus compter que sur eux-mêmes. Aucune trace de vie n'existe dans ces solitudes. Ils avaient dû emporter le maximum de vivres et renoncer au poste émetteur de radio.
Ils s'enfoncèrent dans la tempête et à la base, l'inquiétude dura si longue semaine. 17 jours, ils furent bloqués par le mauvais temps. Mais à la date prévue, ils étaient de retour, ayant atteint la frontière ouest de notre territoire. Notre année en terre Adélie prenait fin. Nous avions mené à bien tous nos travaux scientifiques et parcouru plus de 2500 km en auto-chenille ou en traîneau à chien. Le navire était là, amenant une équipe de relève plus importante que la nôtre, conduite par notre ami Michel Barré. Nous avions des lettres de nos familles, de nos amis, des nouvelles de Paris, des journaux, enfin du vin, et le dernier disque à la mode. Ce cœur-là, quand il bat, on l'entend au bout du monde. Si ce cœur... Avant de quitter la terre Adélie, nous avons confié nos chiens à nos amis de la relève qui prendront soin d'eux. Nous savons que d'autres poursuivent le travail que nous avons commencé. Ils connaîtront nos joies et nos peines. Ils continueront inlassablement, jour après jour, l'œuvre pacifique de découverte pour arracher à cette terre, la plus déshéritée du monde, ses derniers secrets. À Durville, base de l'expédition française en terre Adélie, nous étions 20. Notre travail, devenu routine, était fait du laconisme des notations scientifiques et de gestes sans amplitude. Comme ça ? Et c'était Fagier. Ah, oui. À quelle époque ça change ? Oh, dans le courant novembre. Tous les matins à 8h30, René Merle établissait le contact radio avec Charcot. Charcot, c'était notre poste avancé, creusé dans le Névé, sur le plateau central à 300 km au sud de Durville. Trois camarades hivernaient là, Jacques Dubois, Roland Schlicht et Claude Lorius. La radio était le seul lien qui nous unissait.
t'éteindras la loupiote, tu veux? Oui, oui, te casse pas. Allô? Allô, Jacques? Ici Durville qui vous appelle. Allô, Jacques? Répondez. Ici Durville qui vous demande de répondre en graphie. Allô, Charcot? Répondez. Jacques, tu m'entends? À toi. Un jour, les appels que nous lancions se heurtèrent au silence. Charcot ne répondait plus. Humbert, le chef de l'expédition, décida d'organiser un raid de secours. Au dépôt du Terme Sud, c'est possible ça, non? Ouais. En prenant des précautions. C'est quand même un peu risqué. Ah, bien sûr, il faut bien faire quelque chose. Oui, les Américains, par avion. Non, trop loin. Petite Amérique est à 2500 bornes. Ils ne peuvent rien faire. Allô, Jacques. Ici Durville. Allô, Charcot. Allô. Répondez sur 5400 kilocycles. Allô. Allô, Charcot. Ici Durville qui vous appelle. Répondez sur 5400 kilocycles. Allô, Charcot. Ici Durville. Répondez. Dites-moi, Gilbert, selon vous, combien croyez-vous qu'on peut compter de jours de beau temps, ou en moyenne, ce mois-ci? J'en sais rien. 10 jours? Hein? Une semaine, peut-être. Je crois que ça va marcher. Allô, Jacques? Allô, 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 Charcot, ici Durville qui vous appelle. Allô, si vous m'entendez, un raid va partir, dirigé par Grisoni. Les techniciens Marcel Renard et Claude Daguillon. Ils auront des vivres pour 3 mois. Allô, allô, Charcot? Ils vous atteindront dans 3 semaines si tout va bien. Allô, Charcot, je répète, un raid va partir dirigé par Grisoni. Allô, allô, Charcot. D'accord, Grisoni. Oui, bien reçu. D'accord, oui, j'ai bien entendu. Je reprendrai l'écoute à 3 heures, toujours sur la même fréquence. Ça a l'air de coller, ils avancent, ça marche pas mal. Bien. Allô, Charcot? L'inquiétude grandissait, amplifiée par les résonances de notre imagination et de nos expériences passées. 2 mois auparavant, à Durville même, l'un d'entre nous avait dû subir une opération chirurgicale d'extrême urgence, et à Charcot, il n'y avait pas de médecin. De répondre sur 5400 kilocycles. En 1952, la base de Port-Martin avait été détruite en moins de 20 minutes par un incendie qu'attisait un blizzard soufflant à 100 km à l'heure.
Allô, Charcot, ici Durville. Le raid a atteint la balise 280 à midi. Allô, Charcot. Allô, Charcot. Si tout va bien, ils seront chez vous ce soir. Allô, Charcot, je répète. Le raid a atteint la balise 280 à midi. Si tout va bien, ils seront chez vous ce soir. Allô, Charcot. Allô, Charcot. Ici Durville qui vous appelle. Que s'était-il donc passé? Rien. Une panne grave du poste émetteur, irréparable par l'équipe de Charcot. Oh, drôlement chouette, hein? Elle est pas bien, la garçonnière. Ah, si alors. Seulement, c'est pas haut de plafond. Et voilà. Pour ces hommes, le mot solidarité prend toute sa signification. Réunis, ils se sentent en sécurité. Oui, mais pour combien de temps? Que de choses contenues dans ces sourires retrouvés. Image d'un été sous le cercle polaire antarctique. Les manchots Adélie ont passé l'hiver au nord, à la limite de l'eau libre, pêchant parmi les glaces dérivantes. Voici les premiers d'entre eux qui arrivent devant Port-Martin, après de longs jours de route sur la banquise. Ils parcourent ainsi, de leur démarche boitillante, des centaines et des centaines de kilomètres. Ils sautent les fissures, contournent les icebergs. Ils vont retrouver sur la côte les rochers mêmes où ils sont nés, et où depuis, chaque année, ils sont revenus dans le court été antarctique, s'aimer et se reproduire. De temps à autre, couchés sur le ventre, ils se reposent par groupe des fatigues du long voyage. Ceux-ci franchissent les glaces de pression devant la cité, la Roucrie,
où déjà les premiers arrivants sont installés. Celui-là recherche dans les vieux granits l'emplacement familier de son ancien nid. Ce nid, il le construira avec des dizaines de petits cailloux, durement disputés aux voisins, car les cailloux sont rares et chers dans l'Antarctique. Au même moment, à 100 km sur le plateau, un Wiesel avec carrosserie de fabrication locale transporte une équipe de raids. On construit un cairn pour servir de repère à des voyages ultérieurs. Les plaques de névé sont soigneusement imbriquées les unes sur les autres. Le vent, le soleil et le blizzard s'uniront pour les sceller. Voici, au-dessous des trois couleurs, le fanion de l'expédition antarctique et celui du chef de raid. Ce pavillon va battre follement dans le vent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bois de la hampe, ce qui ne demandera pas très longtemps. À Port-Martin, dans la rouquerie d'Adélie, chaque couple a terminé le nid de cailloux qui est son territoire, son bien exclusif. Au besoin, il le défend avec la dernière vigueur. Le grand souci est maintenant de couver les œufs, bien au chaud, entre le ventre et les pattes. Pendant 34 à 36 jours, il faut, dans le vent et le blizzard, les protéger du froid mortel. À tour de rôle, monsieur ou madame se consacre entièrement à cette tâche et naturellement, ce sera le plus bel enfant du monde. Observer la ville des manchots est passionnant et agréable. Mais il est moins plaisant pour le biologiste d'avoir à marquer, pour étudier leur migration, les phoques de Port-Martin. Celui-ci pourra être identifié dans 20 ans peut-être, mais il ne l'apprécie guère. Dans l'Antarctique, les phoques, qui jusque-là ont vécu sans ennemis, n'ont pas appris à craindre l'homme. Comme seule réaction, la stupéfaction. La stupéfaction et la fuite. Mais pour le phoque de Weddell, nageur élégant et rapide, les déplacements à terre et sur la glace sont pénibles, inesthétiques et d'une extrême lenteur. Il fait bon flotter dans cette eau claire quand on a échappé aux incompréhensibles tourments des hommes. D'une autre flaque transparente, les Adélie ont fait une piscine mondaine. Cette eau de fonte est merveilleuse pour s'ébattre, pour essayer des nages multiples et travailler son style. Allez-y donc, l'eau n'est qu'à moins 2 degrés. Et d'ailleurs, d'une détente rapide, on se retrouve debout sur la plage. Voici les manchots dans leur vol sous-marin. N'est-il pas nécessaire de venir ainsi se délasser des travaux de la cité? Mais les jeux n'ont qu'un temps. Il faut déjà rejoindre la ville à la file indienne suivant les habitudes ancestrales. C'est que maintenant, les petits sont nés. Ces poussins de quelques jours ne pèsent qu'une centaine de grammes. Duvet gris clair, capuchon noir. Ils ne résisteraient pas même une heure au froid sans la protection et la chaleur de l'adulte. Ils sont perpétuellement affamés et lèvent vers leurs parents un petit bec suppliant. Au 15e ou 20e jour, le jeune Adélie a perdu la jolie robe claire de sa naissance. Il est maintenant bourru, pelucheux et d'un brun sale. Mais son appétit n'a fait que grandir. Constamment, il demande à manger en pépiant, et alors il enfonce entièrement sa tête dans le bec de l'adulte pour recevoir sa ration de crustacés prédigérés. Janvier et le plé sont venus. La banquise disloquée a été emportée dans l'ouest par la tempête. Sur l'eau bleue où des cordons de glace dérivent, emportés par le flux, le commandant Charcot a repris son ancien mouillage. Comme un an plus tôt, les rites du débarquement se déroulent. Ici, on met à terre des fûts de gazole et d'essence. Pour la base, c'est la chaleur, la lumière, c'est la vie. Partout ailleurs, l'accès du continent est interdit par la façade verticale des falaises. Dans la rouquerie, les poussins Adélie ont maintenant un mois environ. Comme tous les enfants, ils ont hâte de découvrir le monde. Mais les parents ne comprennent jamais les problèmes des jeunes. Ils s'obstinent à monter autour d'eux une garde vigilante. À cause de la fonte, le plastron blanc n'est plus obligatoire en service. Celui-ci revient de la pêche. Ah, que cette rouquerie est donc mal pavée! Heureusement que les ailerons font balancier. Une grosse modification a eu lieu dans la cité. On a divisé le travail.
Les poussins sont maintenant rassemblés en crèche, surveillés par quelques adultes qui se remplacent par roulement. Les autres adultes ont pour tâche de rapporter de la mer la nourriture et de la distribuer indistinctement à tous les jeunes. Comme les Français, les Adélie sont des époux fidèles. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ils ont des scènes de ménage terribles. Rattrapée chez les voisins, Madame reçoit la correction que probablement elle mérite. À quelle divinité s'adresse cette prière? Est-ce pour la protection des crèches? Ou pour que se prolonge ce temps propice? Le long des rochers de la côte, une banquette de glace est restée. C'est pour les manchots un lieu de rendez-vous, une plage très fréquentée. On s'y repose quand on n'est pas de garde à la crèche. D'ici, on part pour la pêche. Là, on revient de la baignade. Mais ce petit peuple pense déjà à l'exode vers le nord, vers le large. Il y a des mouvements de foule sur la banquette plage. Calme et soleil exceptionnel sur le panorama de Port-Martin. Mais même au cœur de l'été, la tempête vient souvent battre la côte. Avec leur merveilleux équipement polaire naturel, les Adélie ne souffrent guère de ce mauvais temps. Ils n'hésitent pas à plonger et à nager en plein ressac. Puis, jaillissant de l'eau furieuse, ils prennent pied et circulent sans effort sur la glace ruisselante. Ils se rassemblent, comme d'habitude, sur les banquettes. Mais ils n'acceptent pas d'être enlevés par une lame et ils n'iront à l'eau que quand ils le voudront. Le plateau, sous l'éclairage horizontal de minuit, a le relief étrange d'un astre mort. Qu'est-ce qu'un homme seul dans cette immensité? Mais le Wiesel lui apporte la force et la sécurité. Énergie, nourriture concentrée, abri, chaleur, outillage, radio pour communiquer avec le reste du monde. Dans l'Antarctique, il faut s'attendre à tout, même à des miracles. Ainsi, ce raid retrouve sur le plateau des caisses métalliques qu'une équipe australienne abandonna il y a 40 ans. Il est temps de rejoindre la forteresse que l'homme a dressée contre l'Antarctique. On entre déjà sans transition dans l'hiver. Le blizzard déferle sur la base. Toute vie animale a disparu. Mais les hommes, restés seuls, doivent sortir pour les travaux indispensables. Ces fantômes titubants rentrent d'une ronde de sécurité à travers le camp. Nos camarades de la relève ont repris nos routines de vie. Comme nous, ils vont chaque jour piocher 100 kilos de glace, les ramener dans la baraque et les faire fondre. Il leur faudra encore sortir pour nourrir les chiens, pour surveiller les appareils, pour relever les résultats scientifiques, pour effectuer les observations météo. Le blizzard déferle derrière les vitres encore claires pour quelques jours. La mer, les îles, les icebergs, les rochers, tout va disparaître. Le vent est à 80 km/h, la visibilité à 500 mètres. Quand le vent soufflera à 160 et qu'on ne verra plus ses pieds, alors la Terre Adélie aura repris son vrai visage, celui que la caméra ne pourra jamais fixer. À la fin de l'été antarctique, vers le milieu du mois de mars, arrivent du nord, par la mer gelée, les plus grands manchots du monde, les empereurs ou Aptenodites forsteri. Sur la côte de Terre Adélie, ils se rassemblent par milliers, et leur roquerie de point de géologie est la cinquième de cette espèce découverte jusqu'à ce jour. Durant tout l'hiver, vivant sur la glace épaisse de 2 mètres les séparant de l'eau vive, ils ne pourront pêcher et ne se nourriront que de neige. Et c'est cependant là qu'ils sont venus créer la vie.
Dès le mois d'avril, les querelles, nombreuses, dominées par l'agressivité des femelles, emplissent la recrue d'une agitation bruyante. Les parades nuptiales animent les empereurs. L'extase les fige en de statiques attitudes. Mais le calme suit la soumission des femelles. L'union des couples ne se rompra qu'après la ponte, en mai, lorsque les femelles partiront pour la pêche, laissant les mâles couver les œufs. Pendant 63 jours d'attentive patience, le mâle prendra soin de l'œuf. Portant son fardeau en délicat équilibre sur les pattes, enfoui dans le duvet, il le protégera du froid. Si l'œuf s'échappait et roulait sur la neige, il n'éclorait pas. Mais, lorsqu'en juillet, les femelles rentrent de la pêche, les poussins nouveau-nés sont là, piaillants, affamés, que les mâles n'ont pu satisfaire. Et ils reçoivent enfin leur première nourriture. Les mâles, épuisés, relevés de leur difficile tâche, partent à leur tour vers le nord. À la recrue, une surveillance constante est une mesure de sécurité nécessaire. Le trop jeune vagabond, vite égaré, vite affolé, excite par ses appels un zèle général dont il est souvent la victime. Indemne. Les mâles poursuivent leur voyage vers le nord. Proche est maintenant le terme du long cheminement sur la glace nue, coupée de crevasses. Proche est la mer libre où ils pourront pêcher. Et la hâte exalte l'audace.
un matin clair, ils sont de retour. Sous la hauteur croissante du soleil, chaque mâle, dès son arrivée, se met en quête de sa femelle et de son poussin. Il appelle, lançant son cri, et écoute. Seule sa femelle lui répondra. Attentive promenade à travers une foule indifférente, recherche parfois longue, si longue que le poussin anonyme qui le suit obstinément réussira peut-être à gagner un repas. Puis, la lente quête reprend, ponctuée d'appels. À 3 mois, l'équilibre est encore bien précaire. 20 cm sont un abîme. Avec l'âge et l'expérience, vient pourtant le respect des disciplines. Les sourires de l'Antarctique sont fugaces et l'épouvante vient du sud. Dos au blizzard, rassemblés, tous les empereurs vont s'immobiliser pour tenter. La tempête apporte la nuit, mais la lumière, avec la vie, ramène le printemps. Rescapés, ils tremblent encore, tandis que les squaws, charognards des glaces, s'abattent sur les morts, aubaine espérée après chaque tempête. Le poussin transi, que le soleil sèche et réchauffe, suit le rapace d'un regard craintif. Toujours affamés, toujours exigeants, les poussins grandissent, inlassablement nourris par les adultes. À la fin du mois de novembre, venant de régions plus clémentes où ils ont passé l'hiver, les empereurs nés l'année précédente arrivent à la recrue. Ces immatures, déjà de la taille des adultes, vont en acquérir le plumage. Au prix d'un jeûne de 30 jours, ils accomplissent leur mue, aidés par le vent qui détache les plumes. Dans la mer libre, maintenant proche de la recrue,
les empereurs, enfin libérés de leurs lourdes conditions terrestres et de leur servitude de nourrisseurs, déploient leurs ailerons en des jeux insouciants. La glace frémit sous les pattes des poussins. Inquiets, ils cherchent un sol plus stable. Pour eux commence une vie difficile, et c'est maintenant sans la protection des adultes qu'ils devront lutter contre les dangers inconnus. Angoissés, ils fuient, ils hésitent. Mais tout sera vain. Janvier est là, qui brise la recrue. Oscillant, chavirant, les monstrueux radeaux dérivent vers le nord, emportant adultes et poussins en un périlleux voyage que nul n'a jamais accompli avec eux. Sud, vers la Terre Adélie. En 1950, dans la mer du Mont d'Urville, l'aviso polaire commandant Charcot se fraye un passage à travers le pack, ce chaos de glace de l'océan Antarctique. En plus des 11 explorateurs, 25 chiens esquimaux ont pris place sur le bateau. Bjorn est né à bord, sa mère s'appelle Ren. Déjà débarqué, les chiens assistent à l'installation de la base de Port-Martin. Au cours d'une terrible tempête de 3 jours, Ren trouva la mort le 8 mars. Bjorn, maintenant orphelin, vit dans la baraque entouré des soins on ne peut plus maternels de Robert Pommier. Les chiens adultes sont eux aussi admis parfois dans la baraque. Cuffio est le favori, compagnon de jeu et de travail de Henri Boujon, le météorologiste. Pendant 3 fois 365 jours, les chiens partagent toutes nos joies et toutes nos peines. Mais ils n'ont pas, eux, le réconfort d'un abri et vivent nuit et jour dehors dans le pays le plus cruel du monde. Fram suit toujours les hommes dans leur corvée quotidienne. L'âge tendre de la petite Ifo, qui ne compte que quelques mois, ne la dispense pas d'affronter la tempête. Cuffio, qui n'a jamais tiré un traîneau, n'aime que jouer. C'est grâce au courage discipliné et à la fidélité sans défaillance de nos chiens que nous avons pu découvrir et cartographier la pointe extrême ouest de la Terre Adélie.
En 1953, nos camarades et les chiens étaient encore en raid sur le plateau polaire, à 300 km du point de géologie, lorsque, à la base, notre radio reçut de Paris des nouvelles alarmantes. Suite réduction massive subvention, vous confirmons aucune équipe année prochaine. Prenez disposition évacuation base. Stop. Que pensez-vous faire des chiens? Signé Paul-Émile Victor. Pour nous, il n'y a pas d'hésitation. Nous ne sacrifierons pas nos compagnons. Navré, mauvaise nouvelle. Sommes persuadés reviendront terre à Delhi. Stop. Refusons envisager abattre chiens que nous ramènerons. Stop. Vous faisons confiance, trouvez solution. Signé Marie. La solution est de faire appel à la générosité du public. Les propositions d'adoption dépassent toutes les espérances. 24 heures après l'appel lancé par la presse, les 25 chiens de l'expédition ont trouvé plus de 3000 parents adoptifs. Arrivés en France, les chiens rejoignent leur nouveau maître. Et c'est ainsi que Bjorn et Ifo se retrouvent au chenil du docteur Delors, à Vic-sur-Seyre, dans le Cantal. Et c'est là que cet hiver, nous sommes allés revoir Bjorn et Ifo, pour qui la vie continue plus douce qu'en terre d'Adélie. Ifo s'épanouit dans une maternité tranquille. Mais ils ne sont pas pour autant à la retraite. Durant le rude hiver du Cantal, la jeep du docteur ne peut plus atteindre les fermes isolées dans la montagne. C'est pourtant la période où l'on a le plus souvent besoin de lui, où chaque jour, quelques paysans descendent le requérir pour un enfant fiévreux, pour un vieillard oppressé et affaibli, pour une courageuse jeune femme que la maladie a cependant contrainte à abandonner le travail. C'est alors que lui viennent en aide Bjorn, Ifo et les aînés de leurs enfants. Ce traîneau est sensiblement le même que ceux que nous utilisions en Terre d'Adélie. Mais le contenu du rucksack, là-bas bourré de vivres, est ici tout différent. Il recèle le matériel médical d'urgence, celui que le docteur souhaite n'avoir jamais à employer. Impétueux, Suak et Essir sont toujours impatients de tirer. C'est à Bjorn, le chef, que revient la place de tête dans l'attelage. Toujours derrière lui. Aujourd'hui, la première visite du docteur est pour la femme de Jean Coudert, du Vernet. Elle se prépare à mettre au monde son quatrième enfant. Renverser le traîneau signifie pour les chiens qu'ils doivent attendre sagement à la porte, peut-être des heures durant. Dans ce dur pays. Ah.
Il s'appellera André. 8 livres, des yeux bleus et, comme tout un chacun, un lot de joie et d'ennui en perspective. La patience des chiens est récompensée. Enfin, on reprend la route. On se rend maintenant aux cabanes où vit seul Pierre Descasse. Déjà l'hiver dernier, un infarctus du myocarde a failli abattre ce robuste paysan. Allez, tous. Allez encore. Navré mais impuissant, c'est bien que le seul remède, un long repos, est hors de portée pour ce vacher besogneux et solitaire. Conscient des difficultés qu'éprouve le docteur à maintenir l'équilibre du traîneau en terrain difficile, les chiens réfrènent leur naturelle vigueur et ralentissent leur allure. Du Cantal. Pourtant, avant la nuit et la tempête menaçante, le docteur doit encore se rendre à Castel-Tinet. Le traîneau est abandonné au pied de la colline. Seul Bjorn accompagne le docteur. Emploiera toute sa force à hisser son maître jusqu'à la ferme des Delmas. Le petit Blaise, né à l'automne, est atteint d'une angine. Depuis 3 jours déjà, il est brûlant de fièvre dans son berceau, mais on a appelé le docteur ce matin. La visite du médecin représente pour les frères aînés un intermède qui marquera dans le long isolement de leur hiver monotone.
Blaise semble serein. Il a hérité de la patience et de l'endurance des paysans auvergnats, ses ancêtres. Mais la journée du docteur n'est pas encore finie. Il vient d'apprendre que Géraud Bonhomme, du hameau des Chazes, a une forte fièvre depuis hier. Appendicite aiguë, peut-être même péritonite. Il faut l'opérer d'urgence. Dans quelques minutes, Géraud Bonhomme sera à Aurillac, en clinique. Géraud Bonhomme est sauvé. Mais quand on a vécu en Terre Adélie, l'hiver paraît bref dans le Cantal. Bientôt, le soleil créera un autre monde, faisant des âpres pentes neigeuses de luxuriantes prairies où tout n'est que douceur et sourire. Ainsi, la saison de la peine et du dévouement, qui était aussi celle de la joie des longues courses vivifiantes dans la neige, est finie pour les chiens. Mais dans la vallée, les noms de Bjorn et Ifo, désormais célèbres, restent gravés dans les mémoires des malades qu'ils ont aidés à guérir.